Je peux vous citer... Monsieur Bourdoulex, qui a indiqué que, je cite, Hitler n'a pas tué assez de tziganes. Je peux vous citer Madame Bargès, qui a expliqué qu'un candidat noir sur sa liste est une tâche. Madame Saurin, qui explique que toutes les civilisations ne se valent pas. Monsieur Léonard Dely, qui a défendu les soupes aux cochons pour, dans les soupes populaires, éloigner un certain nombre de personnes de la solidarité. Oui, bien sûr. Monsieur Martin, qui a écrit sur Twitter que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. C'est faux. Voilà. Qu'est-ce qui est faux ? Non seulement je les condamne, mais ces messages de haine sont absolument inadmissibles. Et je souhaite évidemment adresser mon soutien le plus sincère à vos confrères qui reçoivent ces messages de haine. Et je peux vous assurer que je serai absolument intraitable, non pas seulement à l'égard de l'insécurité qui frappe beaucoup de gens, mais aussi à l'égard des messages de haine, de racisme et d'antisémitisme. Nous n'en avons pas parlé ce soir, mais qui se libèrent depuis le 7 octobre, avec la complicité de la France insoumise avec laquelle vous êtes alliés.